No de Doran. Un film que j'ai bien kiffé là récemment. J'en ai regardé tellement ces derniers temps. Lequel qui m'a fait triper de ouf. Attendez, attendez que je me souvienne. Ah, merde. Merde, merde, merde. Le film là où... Putain, j'ai pas de mémoire sur les titres, les noms des acteurs et tout. Le film où il y a des factions. Et tu sais, t'as la meuf qui est un peu... Tu vois, qui est la... Non, pas transcendance. Putain, ça va me revenir. Divergente. C'est ça, divergence. Divergente. Divergence. Ce film là, il était ouf. Voilà. Très bien. Bon, allez, c'est parti pour la game. Peu importe, on s'en fout. Divergence, voilà, c'était très bien. Aster 6, c'est cool. On est parti. Rect et touche d'Ogby. Ça n'a pas été fait. Merci. Voilà, comme quoi, vous êtes plus concentré que moi à ce niveau-là. Et on est parti pour cette première game sur l'émission Zafer. Zafer. Alors, on est contre Z. C'est un match-up qui est plutôt cool. On va lui mettre la pression directement. Alors, moi, je rigole pas avec lui. Hein. Allez, tiens, prends les dégâts. Il va prendre les rebonds. On la cite. Bon, celui-là, on l'aura pas. Donc, dans tous les cas, autant aller lui mettre une petite auto-aïe. Hop, on équipe les shurikens. C'est quelqu'un qui a pas l'air de connaître la landing phase de Z hein, déjà. De manière à comment il se positionne, à comment il lance ses shurikens, on va le punir. Moi faut juste que, absolument que j'esquive les shurikens. C'est souvent en disant ça qu'on s'en prend un, hein, non. De toute façon il joue très passif. Il a bien raison. Oh genre l'auto-attaque est pas parti. What the fuck. Il me fait troll. Dites-moi si le son du jeu est assez fort pour vous vu qu'on m'a changé le casque, donc j'ai plus les mêmes sensations qu'avant. Tiens, prends ça. Ah il est level 2 aussi, faut rigoler avec lui. Non. Je voulais pas le rater celui-là. On esquive les shurikens toujours, hein, c'est très important. Donc je sais qu'il a pas son E, il a le Q et le Z. J'allais poser un trinket sur les race adverses. Quoique je vais le mettre plutôt là. En fait, comme ça j'aurai la vision éventuellement du jungler. Oh, j'aurais pu manger un shuriken à cette position-là, mais non. Il ne l'a pas fait. Pas de pression. Une, deux auto-attaques, parfait. Donc là on le voit qu'il a du mal à gérer le match-up, hein. Il prend beaucoup de dégâts, Z semble être très passif en début de game. Oh, je vais me faire gank. Mais bon, la bandelette normalement ne devrait pas passer, je suis assez confiant. Dommage que Warwick soit pas là, pas moyen de faire quelque chose. Bon, je joue un peu avec eux, c'est marrant. Alors un flash, on va pas prendre de risque, peut-être là une bandelette esquive encore. Ah, c'est là que je me suis mangé, mais normalement je mourrai pas, ils auront jamais assez de dégâts. On va pouvoir répondre, il y a pas un coup de tour, ignite, deux coups de tour. Et allez, le force mode récupéré. c'est marrant, on s'amuse avec eux, on les fait tourner tranquillement, y a pas de soucis. Eh, genre j'ai pas eu de last hit. Alors est-ce que vous avez kiffé hein? Comme quoi, le sang-froid, les amis, il faut avoir son sang-froid. On les fait tourner, j'aurais dû mettre ça en fait. Comme musique. Non, marrant, pas du tout. On sent quand même le mec habitué. J'aurais dû mettre. J'aurais dû mettre ça en fait. Non, j'aurais dû mettre ça. Non. Open Gangnam Star. Voilà, j'aurais dû mettre ça. Excusez-moi, ça va venir. Pardonnez-moi. Ah, la petite. Bon, ne faites pas ça chez vous. Hein. Les faire tourner comme ça, ça sert strictement à rien. Normalement, vous voyez la mue, repartez sous votre tourelle. Mais moi, on va dire que je suis assez confiant. Et finalement, j'ai profité de. J'ai créé l'erreur adverse et j'en ai profité directement. Donc, ça fait perdre du temps à Mumu et ça met extrêmement bien mon Warwick qui est tranquille dans sa jungle. Et en plus de ça, bah, je continue de dominer mon match. Par contre, attaque speed, je sais pas reconnaître quoi. Ah, c'est là. Thank you. Un peu de mal. Alors, on va partir sur la mid lane. C'est du foutage de gueule. Non, ça va. Je taquine. Je taquine. Mais c'est vrai qu'il a un petit peu fait n'importe quoi. Hein. Ne faites pas ça chez vous, les amis. Extrêmement important. Te faut un pense-bête pour tes samples. Bonne idée. Toi, je vais te recruter. Tu vas être secrétaire. Ou ma, peut-être que tu es une demoiselle. Allez, on va le slow, on va lui mettre masse auto-attaque, le move speed, on va lui en mettre une de plus, avant qu'on ait gank, voilà parfait. Et là on va freeze la lane un maximum, donc je vais pas... Ah ça m'embêterait de taper, non je vais pas taper, je vais perdre le last hit, c'est pas grave. Je veux freeze la lane, ah, par contre on va y aller en mode comme ça, c'est pas le top non plus. Donc quitte à perdre un last hit, je voulais pas taper avec mon AOE actif, comme ça voilà la lane est un petit peu bloquée, il va devoir revenir prendre des risques. Je serai là pour l'embêter. En plus il enfin voilà il a pas tellement push mais... C'est pas malin d'envoyer des shurikens comme ça juste pour envoyer des shurikens. Merde, mon regard, c'est trop mal. Ah, un Mumu qui est énervé, deuxième épisode 2. Épisode 2. Il y a beaucoup de pire, hein, faut fasse gaffe. Ok, c'est à moi de faire gaffe en fait. Le coup de tour. Bon, je suis un peu trop énervé là. Un peu trop énervé de ma part. J'ai fait n'importe quoi. Au moins, ça fait un partout. Qui a récupéré le kill? Z, allez, c'est parti. Un partout.
plus d'Unite sur Z, j'avoue que je m'attendais pas à l'Unite là, il m'a surpris, c'est vrai qu'il avait pas activé tout à l'heure. Étonnant. Le niveau est similaire en tout cas entre moi et mon adversaire. C'est pas grave, au moins je sais à quoi m'attendre. Allez, on va commencer peut-être un petit peu à tryhard un peu plus, arrêter de jouer avec eux. L'ami qui a fait un bon gank la mid lane. Le mec qui gank beaucoup mais là qui est pas bien. Plus de flash sur Mu. Non, c'est pas Warwick qui a fait de la merde, là c'est totalement moi, je m'amuse avec eux, je ne devrais pas. Je devrais plier cette partie. Donc là on voit que la lane va push dans mon sens, donc comme tout à l'heure je vais un petit... Ouais, faut pas faire le malin, c'est bon j'ai compris, j'ai appris de mes erreurs. On ne fait pas le malin avec eux. Décidément avec mes last hits sur Kyle sont pas super pour le moment. Vu que je veux pas last hit avec la fureur vertueuse. Absolument il y a à l'auto-attaque. Après là moi je vais récupérer mon Ignite. On va le kiter. Donc auto-attaque, on recule, auto-attaque, on recule, auto-attaque, on recule. J'ai un avantage sur lui, je vais récupérer mon Ignite, j'ai plus d'XP. Après je max mon E hein, donc je fais pas tant que ça de dégâts au niveau du A. On est sous pression hein, on est sous pression. Bien sûr que je veux le bleu mon pote. On a l'information sur Amumu, je peux vraiment pousser. Je regarde aussi ce qui se passe top lane, hein, pour avoir vraiment une bonne vision sur la map. On va aller chercher le bleu tranquillement, je vais prendre du contrôle map vers le top side vu qu'on sait qu'Amumu est là. Et on va repartir sur une pression sur Z. Ah, par contre je vais pas avoir assez de dégâts. Et tu tapes encore en fait. Alors il va falloir attendre 3 secondes. Non, encore un. Ah, dommage. Je max pas le Q-spell. Ça va pas le faire. C'est la Kayle de Wicked là qui a pas. Non, quand même pas. Ne m'insultez pas. C'est vrai que Wicked il a été assez frais, affreux avec sa Kayle. Non, vous allez voir. Hein, c'est juste qu'au début j'ai un petit peu rigolé. Mais vous allez voir, hein, ma Kayle est plutôt respectée. On va dire. Kayle, c'est vraiment important de savoir hit and run. C'est-à-dire bouger tout en infligeant un maximum de dégâts. Donc en fait, vous bougez sur le refresh de votre auto-attaque. Vous savez, entre deux auto-attaques, vous avez un temps de latence. Et vous pouvez vous déplacer pour vraiment ne rien perdre. Donc là avec le blue buff je vais vraiment être bien. Normalement je devrais me refaire gank par Amumu. Ça, ça m'étonnerait pas. Vous avez vu, j'essaie pas de me placer vraiment de manière avancée, j'ai mes deux summoners disponibles. Kai c'est vraiment très très puissant. Et en plus je le rate. Donc là je sais que l'Amumu est vers le bot side, il a récupéré son bleu. En fait regardez, bot c'est push, donc dans tous les cas il va sûrement venir mid. Mais je no care. Il y a farm qui vient d'arriver, Pop Dog B, je suis en retard, sorry dude. Fais gaffe hein, tu vas perdre ton... Tu vas perdre ton statut mon ami. Il y en a beaucoup qui aimeraient être à ta place. Ou alors t'es où Amumu là? On le sait à 100% hein, qu'Amumu va venir. Warwick est dans les parages, du coup je pas de honte à être agressif. Pourquoi? Parce que même si on le voit arriver, j'aurai le temps de temporiser pour aller jusqu'à mon Warwick. J'ai mon ultimate, j'ai mon flash. Ah bah là il va devoir prendre des receives last hit. Hop. Voilà, c'est ça l'unité de run. Vous vous déplacez, vous auto-attaquez, vous déplacez, vous auto-attaquez. Vous ne perdez aucune seconde en fait. Vous vous déplacez de manière à prévoir votre prochaine auto-attaque en fait. Ah bah voilà. J'ai enfin décidé à jouer agressif. Du coup t'en es content de ton ultimate ou pas? Le problème c'est que moi j'ai un buff bleu hein. Donc je vais récupérer mes cooldowns assez tôt. C'est lui qui perd en fait en faisant ça. Pourquoi? Parce que regardez, j'ai totalement le contrôle à lane. Et puis le heal de calque est quand même assez puissant en laning phase. Donc on va essayer de prendre la tourelle assez vite. On peut aussi décaler sur le break si ils ont vraiment envie d'y aller. On peut faire un décalpot aussi éventuellement. On voit quand même lui est là. Donc je vais essayer de me déplacer vers la bot lane. En fait je risque pas grand chose. Ouais, on va essayer de bloquer Mumu là. Faudrait venir par là, Warwick. 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 Vous avez vu, on a pris la vision là. On se précipite pas. On va le bloquer. On va le prendre en sandwich. Allez, le slow qui va passer. Peut-être qu'il va flash out. Ça serait déjà intéressant. Il y a un grab qui va partir normalement. Au bout d'un moment, faudrait appuyer sur R, hein, un menu, pas le droit. Bah, au moins, il aura pété l'ultimate. On sent qu'il n'y a quand même pas un niveau de malade, hein, donc on s'adapte. Évidemment, je joue pas de la même manière que si j'étais sur mon main compte sur les serveurs West. Parce qu'on sait que ça réagit pas pareil, que ce soit en face ou avec moi, donc je prends un peu plus de précautions, on va dire, dans mes choix. Que je suis pas sûr en fait que je vais être si je vais être follow ou pas. J'ai récupéré mon ultimate, du coup j'ai pas peur d'aller à l'agression.
Fort de Fechtek. Il a plus de shuriken là, donc il représente plus rien, un grand danger. Oh, par contre, pourquoi je m'arrête? On a réussi à le tuer, du coup, il y a carrément moyen d'aller faire un Drake là. Et tout quand même de repousser ce Zed. Ouah, il a flashing. For real. On va le kiter hein, toujours. Voilà. Le match-up est vraiment, vraiment simple pour Kai, vous l'avez vu. Il suffit de le kiter un minimum. Et d'utiliser l'ultimate au bon moment, il avait pas son ultimate. Bon, il a fait un flash un petit peu particulier, il aurait peut-être pu essayer de s'en sortir. Le trash ne savait pas qu'il avait un hook, possible hein. Je sais pas du tout avec qui je suis, je sais pas du tout contre qui je suis. Donc je ne fais confiance à personne. C'est la règle numéro 1 sur ces serveurs là. Je ne compte que sur moi-même. Quand même ça mieux, on va s'amuser avec. Hey, salut. Salut, ça va? On est fiers. C'est l'heure du... Il fuit, il veut même pas y aller jusqu'au bout. La honte. Ouais, faut que je fasse gaffe quand même, parce qu'il y a le Z qui va revenir. On va pas prendre de gros risques hein. on en a déjà assez fait tout à l'heure. Moi ouais, je crois que c'était un panic flash hein, de sa part. Donc lui il rush à Bruvicier, lui il va sur l'item il va pas sur l'item AP, c'est dommage. Je pense que c'était beaucoup plus rentable pour lui d'aller sur l'item AP. On va rush des bots de Berserker, je vais aller full attack speed hein, les gars. Full attack speed sur Makel, y'a aucun souci à ce niveau là. Le Z qui décale, je vais essayer d'anticiper. Ouais, ils sont pas forcément bien bot lane. Je pense que la Jinx fait le bon choix. Après ils peuvent trade s'ils attendent le Warwick. Ouais, le Thresh est mort. Ça fait du 1 pour 2. Et Thresh qui est même pas mort, MDR quoi. Il est resté à 5 HP, on a quand même eu un petit peu de chat. Donc tu me diras, je pense que la Mu a eu à peu près la même chose. J'arrive mon pote, vas-y continue, trade. Confiance. On va peut-être essayer de le bloquer sur ouais. Vas-y, tu devrais essayer de bait sur mon ulti. Je sais pas s'il connaît Kyle en fait. Vas-y, fais l'idiot. Tu le fais bien en plus. En fait, je joue normal. Il a plus son ombre là. Ok, j'ai fait un panic flash aussi. OP! Non, je rigole, j'ai flashé. C'était fait exprès, bien évidemment. Lol. J'irai jusqu'au bout! Ou pas? Non, mon flash était un petit peu dégueulasse. J'avoue, je voulais press R et j'ai appuyé sur F, autant pour moi. J'ai du mal à m'y faire au niveau de ce setup, mais peu importe, hein, l'action était plutôt bonne, on récupère 2 pour 1. Et on continue de mettre au fond ce Z. Je pense pas que je vais warder le Drake, j'en ai rien à faire parce que je pense qu'ils vont pas le faire en face. Le Z qui est vraiment pas bien, 55 CS, 83, là je vais normalement avoir mes 100 CS. Pas top farm, j'en ai raté quand même vraiment beaucoup en early game, Osef. On sait que c'est pas le farm qui fera la différence dans cette game, même si... Ça reste important de tenir un farm. Ok, c'est pas mal. Je crois qu'il a son ulti. Non, je crois qu'il a pas son ulti. Tu m'y attendais pas du tout. Je l'ai pas vu passer sur la pink. Je suis peut-être endormi. Est-ce que vous l'avez vu passer? Je l'ai pas du tout vu passer, moi. En fait, ils sont sneaky quand même sur ces serveurs-là. C'est sneaky Mumu. Regardez, je vais lui donner envie. Tu veux me tuer? Vas-y, viens. Tue-moi. Ça c'est un peu raté. C'est un peu raté aussi. Et donc maintenant on fait quoi? Hein? On fait quoi maintenant? On fait check. Bon j'arrête. Excusez-moi, je m'amuse. Mais ils sont marrants quand même. Avouez que c'est drôle. C'est tentant quand même. Enfin, les mecs sont prévisibles. En fait, tu peux prévoir leurs erreurs et leur mécanique à 50 000 km. Genre, il a tout mis à côté quoi. Bon, on va dire qu'on va continuer sur de l'attaque speed. On a fait que ça. Je vais aller directement sur. Vous savez quoi? Elle est où attaque speed? C'était là. Non, c'était au-dessus du coup. Non, c'était en dessous. Voilà, c'est ça. On va aller directement sur ça. Le Runan. MDR, look-moi cette vision, les champis. Ouais, j'avoue que les champis là, pas mal hein. C'est pas forcément une mauvaise idée, comme ça il se met vraiment dans une meilleure position pour pouvoir full push. C'est ce qu'on demande à Mumu. Il est bien. Moi personnellement, quand je joue à Teemo, j'ai jamais eu ce type de situation là où j'ai le temps de mettre autant de champis. Je sais pas comment il fait. Peut-être qu'il est full CDR, je ne sais pas. Là je suis on fire hein. Niveau attaque speed, je peux pas faire mieux. Il a plus son ombre, on va le ralentir d'ailleurs, on va se ravancer. On va jouer au maximum avec la... Ah, le slow.
est mort. Donc là, ouais, quand vous êtes feed avec Kyle, c'est un petit peu n'importe quoi. En fait, vous devez vraiment, en fait, quand vous avez votre move speed activé, vous devez en profiter un maximum. Là, c'est ce que j'ai fait. C'est un peu le bordel bot lane. C'est un peu le bordel top lane, mais il a pris un champi. Le maximum de la reine. Je te respecte pas. Je ne te respecte pas. Ça craint pas, mec. Ouais, là, je suis vraiment en train de. En fait, là, je joue sur leur manque d'expérience. En fait, je joue vraiment sur leur manque d'expérience. C'est à dire que je... c'est tellement what the fuck ce que je suis en train de faire qu'ils arrivent pas à le contrer. Tant qu'ils arrivent à comprendre la situation, hein, j'ai déjà pris l'avantage que je souhaitais prendre. Lui aussi, normalement, je le tue. Je suis level 13, il est level 11. Le problème, c'est que je vais attendre. Faudrait juste que j'évite la bandelette en fait. C'est ce que je n'ai pas fait. Là, pas tellement, je le tue tout de suite. Par contre, là, normalement, je suis die. Je vois pas comment je peux m'en sortir. Oh, le red buff. Pas mal ça. Belle tentative. Mais c'est trop tard. Je peux pas venir avant. Non, c'est pas faux. C'est moi. Foutez-moi la paix, quoi. J'ai avoué. J'y vais trop loin. Bon, j'en tue quand même 3. On va dire que j'ai le droit de mourir. Bon, alors là, niveau attaque speed, on peut pas faire mieux. Regardez, pourquoi? La synergie est parfaite. On est full attaque speed et en plus de ça, nos attaques infligent des dégâts physiques supplémentaires. Plus nos attaques infligent des dégâts magiques supplémentaires. On a 20% de CDR. On est bien. Là, qu'est-ce qu'on pourrait rajouter? On pourrait rajouter soit un Rabadon, qui serait vachement bien sur Kyle. Des gros dégâts, soit une brillance pour jouer un maximum avec nos auto-attaques. Donc c'est ce qu'on va faire, brillance, Lich Bane. On n'a pas énormément d'AP, vous avez vu, 127 d'AP, 101 d'AD. T'as bugué, c'est à cause de ton PC? Non, j'ai avoué, c'est moi, je pouvais pas m'en sortir là. J'ai pris la bandelette, je pense que si je prenais pas la bandelette, il y avait moyen que je... Merde, j'ai poustillonné sur l'écran. Je pense que si je prenais pas la bandelette, il y avait moyen que je m'en sorte tout en tuant malgré tout le Rise. Donc voilà, j'ai pris la bandelette, qu'est-ce que je te dis. J'arrive, mec, les champis OP. Ah bah non. Oh lol, je prends même pas le champi, quoi. Je vais te venger, mon pote. What? Tu flashes? Tu flashes dans un champi en plus. La move speed. Lui, je vais le dive, hein. Lui, il fait pas du tout peur. Parce que dans tous les cas... Voilà, dans tous les cas, son... Ah, par contre là je suis sûrement mort. Oh, il m'a défoncé ma race. Il m'a mis 2 hits. Il m'a fait tellement mal. Ça reste Z hein, malgré tout hein. Ça reste Z. Il m'a défoncé. Waouh. Là j'aimerais bien avoir assez pour faire ça. Comme ça j'aurais 5% de move speed supplémentaire. C'est pas dégueu sur Kyle. J'ai pas fait d'Athènes, hein, j'ai pas fait d'autres items CDR, je suis vraiment full attack speed. En fait, je suis full auto, je joue tout sur mes auto-attaques. Qu'est-ce que je pourrais faire aussi derrière? Je pense que après j'irai sur Rabadon. Je fais pas de Zonia moi sur Kai, je trouve que c'est inutile. Vous devez être. Mon ultimate, vous allez voir, j'utilise très souvent sur uniquement moi-même. Je suis très égoïste quand je joue Kai attack speed. Parce que le problème, c'est pas une Kyle Burst. Une Kyle Burst, vous pouvez utiliser ulti quelqu'un d'autre, Burst quelqu'un d'autre. Et vous avez fait un peu votre taf. Là, si vous mettez pas d'auto-attaque, vous servez à rien en soi. Donc pour pouvoir mettre le maximum d'auto-attaque, vous conservez votre ultimate pour vous. Donc 90% des cas, je vais multi moi-même, vous allez voir. Prendre un red buff, c'est sympa. On va aller botlane, je fais du 1v4 là, MP. Enfin 1v4. En fait, si ma team tank, je peux tous les tuer. J'ai tellement de dégâts, je suis tellement feed. Vas-y, cours plus vite là, rattrape-moi ça. T'es un loup. Vas-y le loup. Vas-y, ulti-le! Putain, si tu te collais à la paroi, t'avais la petite portée. J'ai risqué la bandelette, du coup, c'est encore moi qui suis en fond. Je t'auto-use. Voilà, c'est compliqué.
peux aller sur le juste derrière. En fait, je vais jouer avec les champis, mais il y en a pas. Je peux pas me permettre de rester en front. Par contre, le temps qu'il focus le Timo. Tiens, je... Oh merde. Normalement, il fait cher, mais je peux attendre pas qu'il soit là. Oh oui. Oh putain, la chatte. Je m'attendais pas du tout à ce qu'il soit là, le Lucian. On l'a vu tout à l'heure, mais je me suis dit, tiens, il est mort, c'était peut-être lui, mais non, pas du tout. Vous savez que c'est quand même compliqué, hein. Au niveau du positionnement avec. Des fois, je vais éviter d'avoir le passif de. A part s'il a son ultimate, je peux le kiter. Ah bah, il y aura encore de prendre son ultimate. Thank you. Gros ultimate de la part de Amumu. Je pense qu'il a réussi à vous convaincre. Non, 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 non. Je le cancel pas. Rabadon. Rabadon too good. Donc on est feed, hein. On est totalement feed, hein. La unique phase qui s'est passée comme prévu. Là c'était vraiment le meilleur moyen de sortir une Kayle, d'être contre le Z. C'est vraiment un match-up qui est très très simple pour Kayle. Go Ginzu, ouais c'est pas une mauvaise idée, hein, mais bon. Après là on va vraiment être full AS, hein, mais c'est pas du tout une mauvaise idée. Ça se cale très très bien avec les auto-attaques, le passif. Donc je vais go Ginzu, au lieu de faire le... Mais là on mise vraiment tout sur les auto-attaques quoi, en gros ça. Là, c'est une posture parfaite pour retour. C'est dégueulasse quand même, c'est moi qui fais 90% des dégâts, c'est le Timo qui récupère les double kills, NP. Je t'aime bien mon pote, c'est un bon gars. Ouais je vais go Ginzu, là, dans tous les cas je suis encore assez loin de du cap de l'attaque speed, c'est 2,5. En étant à 1,79 on va dire que je suis assez safe. Je crois qu'il a plus ultimate hein, on peut le die. Merci mec, je t'aime beaucoup. On continue, je te heal. Je sais pas du tout où est le rise, il doit être dans notre dos. Ah bah voilà. Je vais essayer de le brain. Je vais l'utiliser dans 3 secondes. 2 secondes, 1 seconde. Voilà, c'est bon, je peux y aller. Ok, j'ai même pas besoin. Overreact. On va continuer. Et le Timo. Ah, j'ai vu qu'il allait encore me KS. Non, pas cette fois. Non, 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 non. Ça y est, il en a assez fait le mec quand même. Au bout d'un moment, faut arrêter. Faut en laisser un petit peu pour les autres. Pour ceux qui le méritent vraiment, j'ai envie de dire. Vous voyez rien de méchant. Ah merde, j'ai laissé le sondage. Ah oui. D'ailleurs, je sais même pas où on en était au sondage. J'étais vraiment zappé. Attends, je vais regarder. Au niveau du sondage, c'était quand même 60% pour la game. Allez, on va le couper. J'avoue que c'est quand même un sondage à la con. Il y a un mec qui me dit, je viens de me connecter, il y a un sondage à la con, j'avoue. Pour ce mec qui vient d'arriver, genre le mec il comprend pas du tout, mais c'est normal. Je me suis fait flame en fait parce que j'ai pas regardé la série Breaking Bad et Game of Thrones. Parce que je leur expliquais que j'avais d'autres priorités, tout simplement. On m'a traité d'un culte et tout. Par contre il a moisi hein. Je sais pas pourquoi vous avez l'air de... Oh, je fais du 1v2 NP hein. Ok. Vas-y je te sauve tout à l'heure, tu m'as sauvé. Je sais pas si t'as mangé, je te sauve. Je ne laisserai personne tuer ce trash. Non. Je ne laisserai personne tuer ce trash. Vous m'entendez? Personne! Bon, on aura même pas le temps de terminer la Ginzu, ça aurait pu être drôle de voir ce que ça pouvait donner. Je
Tiens, allez, salut Timo. Ah, ciao, bonne vie. Auto-hit. On est fiers de ton équipe. Bon, voilà, une game qui était plutôt simple. Une game qui était plutôt simple. Zafer, bien sûr. Bon, ça a fait le taf, on l'a vu en early, on s'amuse un petit peu avec eux, on teste un peu voir les réactions de nos adversaires sur les serveurs. Ouais, je connais très très bien le niveau de chaque ligue, donc je sais un petit peu à quoi m'attendre. Là, c'est à chaque fois la surprise, tu vois, on sait pas si le mec va nous faire des trucs de ouf ou s'ils sont pas encore de haut niveau. Donc là, on va sûrement être en BO. Voilà, on est en BO là, tac tac tac, le BO c'est maintenant, le BO c'est tout de suite et on va essayer de le finir aujourd'hui. C'est un BO 5, donc il faut qu'on fasse 3 games, donc on va lancer directement, on va pas perdre une seconde. On veut gagner ce BO aujourd'hui. Après, vous m'avez pas dit si vous voulez qu'on achète un de ces champions-là, hein, au niveau des promotions. Zach, Cassiopeia, Jana, n'hésitez pas à le dire si vous avez envie de voir l'un de ces 3 champions-là. Là, je t'avoue que, ouais, bon. Ouais, ça va, tu te fais plaisir. Bah, pour l'instant, on se fait plaisir, le niveau est pas encore...